c'est la meilleure Mystery Box. C'est la meilleure Mystery Box, forcément. Oh là là là, carte gradée de chez PSA. C'est votre boeuf préféré, la famille. Aujourd'hui, j'ai totalement craqué parce que j'ai acheté la meilleure boîte mystère de Pokémon. Vous allez voir, c'est une véritable folie avec que des coffrets récents. Ça va être une véritable dinguerie. Vous le savez, il y a absolument personne en France qui sait faire des boîtes mystères. Oh, Kibiki, t'as un ego, c'est abusé. Mais je vous avoue, c'est pour ça que j'ai créé moi-même mes propres boîtes mystères. Et vous avez adoré. En moins de 10 minutes, on s'est fait totalement vider et mon édition 2 arrive bientôt. Tenir en haleine, j'ai demandé à mon équipe de me créer la meilleure boîte mystère récente. Et pour vous remercier de votre soutien, je vous fais gagner ces magnifiques magazines avec des boosters vintage de Ultra Prisme. Pour le remporter, c'est très simple, t'as juste à t'abonner à la chaîne YouTube, mettre un petit like et un petit commentaire. N'oublie pas aussi de t'inscrire sur WhatsApp pour récupérer 15€. Les amis, j'ai aussi la boîte, regardez, elle est là, elle est toute belle. Donc j'ai pu ouvrir, je vous avoue, j'ai loupé l'intro, donc en fait, voilà, elle est déjà ouverte. Bon les amis, regardez, voilà comment ça se présente, il y a plein d'enveloppes mystères, ça a l'air d'être un truc de fou, il y a des Pokéballs, on dirait qu'il y a des coffrets en dessous, et on voit les deux nouvelles Pokébox. Écoutez, on va commencer avec les nouvelles Pokébox qui sont d'ailleurs disponibles sur Karyou. Voilà les amis, elles sont là, elles sont toutes belles, c'est les toutes nouvelles Pokébox, on vient juste de les recevoir en boutique. Bon, je pense que c'est aussi pour faire un petit peu la pub qu'ils l'ont mis dans ma boîte mystère. Voilà, c'est disponible, la famille, elles sont vraiment trop belles. Si vous avez envie de vous en procurer, ça coûte 25€ en commerce. Je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais si vous avez envie de les garder scellés, je trouve que c'est un magnifique item. Écoutez, on commence cette boîte mystère sous les chapeaux de roue et on va voir si Jason va rester dans sa tanière ou pas avec les Pokébox. Par le Saint Jason, let's go! La carte promo est juste dingue de Coridon X. Oh là 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 là. Vraiment, merci. Merci, Pokémon. Merci! Merci! Voilà, ça, ça fait plaisir. Oh, c'est les nouveaux boosters évolution à Paldea qui sont à l'intérieur. D'accord. Un booster évolution à Paldea. Un deuxième booster évolution à Paldea. Écarlate et Violette. Ok, donc on est vraiment sur du EV. Et Tempête Argentée, d'accord, bah je trouve que c'est un joli booster. Et hop, pareil ici avec le Miraidon. Oh là là, vous avez... dites-moi dans les commentaires quel est votre promo préféré, mais je trouve vraiment qu'on a des promos qui sont somptueuses, hein. On va ouvrir ces 8 boosters comme des saltimbanques et on commence directement avec Evolution à Paldea. Qu'est-ce qu'on veut à l'intérieur, Kibiki? On veut bien sûr les alternatives des starters qui sont très jolies. Code noir comme d'habitude, ça va être comme ça, je vais défoncer ma chambre, ce n'est pas grave. Poussacha, on veut de l'alternative, on veut des AR, on veut vraiment de la folie. C'est... il y a de très jolies cartes. Oh, ok. Ok, on commence avec le Monaflemite. Regardez-moi ce buff. Ça se voit qu'il a faim, le frérot. Il a faim. Mais non! Mais les amis, les lunettes commencent déjà sur cette Mystery Box. Carte Gold. Me dis pas que ces Pokébox sont buggés. Qu'est-ce qui se passe avec Kibiki? Les amis, pendant 6 mois, j'ai souffert. J'ai l'impression que la malédiction est brisée. J'ai l'impression que Jason est brisé depuis ce live Aquapolis. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est nul. Bon, on est très content quand même, on va pas se mentir. Energy Gold qui tombe au premier booster. Enfin, ensuite d'avoir le Malvalam. Oh là 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 là, merci. Merci, chef. Franchement, c'est très joli. Ça fait plaisir, on va pas se mentir, ça fait plaisir. On commence bien avec cette Energy Gold qui tombe au premier booster. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce qui se passe là, Kibiki? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas ce qui se passe, mais ça fait plaisir en tout cas. Allez, deuxième booster, évolution à Paldea. Dites-moi si vous aimez bien la série. Série qui est quand même un petit peu boudée, on va pas se mentir, comparé à là-bas. C'est normal avec ce qui sort. Vaut mieux garder, je pense, en CD, on va pas se mentir. Ok, combat, les gens sont pas ce booster, ouais. Je le sentais pas, avec en deux du boss, je le sentais pas du tout, c'est normal. Ok, oh, frigo, c'est quoi ces noms de Pokémon, là? Colossinge, Magirev, la Super Bowl, attention les amis, ici peut-être avec une AR, pas du tout, ce sera encore le Frigodo. Et c'est Jason pour Blizzaroi. La première Pokébox qui va être terminée. Bon, une Pokébox, c'est une carte gold ultra rentable, hein. Franchement, vraiment content. Ici, est-ce qu'on va voir un code noir sur Tempête Argentée? Attention, là on est sur de la grosse série de épées et boucliers. Sur cette série, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut surtout avoir le Lugia alternatif, l'une des cartes les plus belles de ce bloc. Donc là, on est sûr et certain d'avoir quelque chose, au minimum une carte holographique. Voilà, n'oubliez pas que sur épée et bouclier, l'holographique n'est pas garanti. Vous pouvez ne rien avoir. C'est vraiment Jason. Et Pokémon, ils ont changé à partir de Écarlate et Violette. Brutalibré, attention les amis, ici, est-ce qu'on va avoir une AR? Est-ce qu'on va avoir une AR? Et non, ce sera une reverse. Est-ce que je vais pouvoir danser le Funklore? Est-ce que Jason va retourner dans sa tanière? Carte V? Bon, carte V, ça va pas être dingue, je pense. Et c'est un Miss Dibule. Jolie box. Très jolie box, hein. On l'ouvre au culot. Allez, je l'ouvre au culot parce que je suis... On l'ouvre comme les Américains. Comme les Américains? Plus jamais. Mais ça, je l'ai jamais fait de ma vie, ça, c'est mon rêve. C'est mon rêve, les gars, de sortir un truc comme ça, comme un Américain. Américain?
Bon, on arrête, plus jamais, d'accord, c'est bon, c'était marrant. Et voilà, là on a perdu de 12 euros. T'en fais t'argenter encore une fois pour peut-être aller chercher le Luga. Si on a code blanc de toute façon, voilà, si t'as code blanc, je pense que t'as quasi rien à aller chercher. Il n'y a pas grand chose à aller chercher sur Template Argenté, je vous avoue. Quand on a un code blanc, on va pas se mentir, donc on va aller très vite. Rien, il n'y a rien de dingue. Sur les AR, il n'y a pas grand chose. Hein. Vraiment, il n'y a pas grand chose. Voilà, code blanc, vous savez que vous n'avez rien à voir. Bon, deuxième Pokébox, ça c'est une Pokébox qui ressemble à Kibiki. Une Pokébox bien claquée au sous-sol. Et c'est Jason les amis avec Jimoré. Bon, bah pas dingue, franchement pas dingue. Franchement pas dingue au final, 8 boosters. On arrive quand même à choper la petite carte gold dès le début. C'était pas non plus la grande folie sur ces Pokébox, mais là on continue l'ouverture mystère, parce que j'ai l'impression qu'il y a des dingues. Écoutez, je prends au hasard. Voilà, je prends au hasard un truc, je regarde pas, regarde, je vous regarde dans les yeux, je prends au hasard un truc. J'ai pris ça, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Qu'est-ce qu'on va avoir? Enveloppe mystère. Ça m'a l'air un peu lourd. Ça m'a l'air un peu lourd sur cette boîte mystère. Carte gradée, oh là 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 là, carte gradée les gars, carte gradée, attention, oh là 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 là, carte gradée de chez PSA, fouloulouloulouloulou. On va déjà découvrir le Pokémon, j'espère que c'est pas une carte V, j'espère que c'est de la dinguerie. Oui monsieur, Dracolos, mais bon c'est fait exprès, non mais là, là oui ils ont fait exprès, bien sûr qu'ils ont fait exprès, la Karyu Team les amis, c'est normal, c'est Jason les gars, c'était obligé que j'allais avoir une boîte mystère comme ça, c'était obligé avec le petit Dracolos. Et qu'est-ce qu'on va avoir? Et Evolving Sky, c'est très compliqué d'avoir 10 en vrai, quand je dis très compliqué, ils mettent souvent 9 PSA sur ce genre de cartes, donc ça m'étonnerait pas qu'on ait 9, et c'est un 9, magnifique. Magnifique ce petit Dracolos foulard, ça, ça fait plaisir. Ça vous plairait les gars des petites boîtes mystères où je mets des cartes gradées à l'intérieur? Ah je teste, je teste, je teste, dites-moi. Dites-moi si vous trouvez que cette ouverture elle est fun. Je regarde pas les gars. Oh let's go, le Geopack. Oh là 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 les amis, Geopack. Et ça j'en ai beaucoup dans ma collection, on en a eu beaucoup aussi en boutique, on a eu énormément de chance. Récemment parce qu'en fait on a Evolution CS, qui est la série la plus demandée aujourd'hui à display, avant aux alentours des 300 à 350 euros, c'est n'importe quoi. Et Tempête Argentée qui est aussi une très très bonne série. Et on commence avec Tempête Argentée, j'ai jamais rien eu sur ce genre de boosters. Je vais pas vous mentir, j'ai jamais rien eu dans les Geopack. Je sais qu'il y en a qui ont réussi à dropper des alternatives, mais moi je crois alors à la théorie du complot. Comme quoi, il n'y a rien dans ces duopacks. Allez, on a quand même eu un code noir, donc une chance peut-être pour le Lugia. Encore une chance d'avoir une grosse grosse carte. Ça fait longtemps sur Tempête Argentée. Un petit truc là qui tombe en vidéo, mais ça sent Lolo. Ça sent Lolo. Ça sent Lolo. Ça sent Lolo, la famille, je vais pas vous mentir. Et j'avais bien raison. Ah, ils sont... Je sais pas. Moi, j'ai une théorie sur ces duopacks. Hein. J'ai une théorie. Je sais pas si vous pensez la même chose que moi. Mais pour moi, Poké Company, ils sont en train de nous berner. Ils sont en train de nous berner, j'y crois pas, j'y crois pas. Il y a trop de problèmes avec ces duopacks. Il n'y a personne qui drop dessus. Vous avez des vidéos de mecs qui drop dessus? Je sais pas. On dirait des réimpressions bizarres. Ah, ancien code pourtant. Bah, je sais pas. 1, 2, 3, 4, Évolution Céleste. Bah, ça, ça sort de l'Évolution Céleste. La meilleure série épée bouclier. Hein. Franchement, on peut le dire aujourd'hui. La série qui coûte le plus cher encore hein, pour une série récente. C'est abusé en termes de temps et de réimpression qu'il y a eu. C'est n'importe quoi qu'elle pense. Ça se vend toujours aussi cher. C'est juste que la série est dingue. La série est trop trop bien. Mais les taux drops sont toujours aussi catastrophiques. C'est pour ça que c'est autant recherché. Et on espère avoir quelque chose, la famille. Une petite alternative, un petit truc. S'il vous plaît, pas Jason. On veut un truc. On veut un truc, Jason. S'il te plaît, me fais pas de mal. Ouh, qui voit l'âge! Qui voit l'âge! Oh, ah, mais vas-y! C'est tout le temps pareil, chef! Oh, on n'a pas le droit au bonheur! On n'a pas le droit au bonheur! J'ai jamais le droit au bonheur avec ces boîtes là! J'ai encore chopé une enveloppe, je sais pas y a quoi dedans. Hop là, une autre enveloppe, qu'est-ce qu'on va avoir là-dedans? Oh, des cartes! Ouh! Bon, je me suis spoil directement. Ok, de la tag team en japonais, ça c'est joli ça. Oh, full tag team avec, oui, 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 le Macogneur. Ah là là, cette carte elle est dingue. Hein. Les cartes tag team comme ça de japonais, je trouve ça tellement sous-coté. C'est un truc qu'on aime bien faire aussi dans les boîtes mystères, vous faire découvrir des trucs qui sont sous-cotés et super jolis. La première saison, on avait mis des cartes du set de base japonais. Donc ça par exemple ça pourrait être peut-être le prochain thème des boîtes mystères, voilà, je vous dis ça comme ça. Très content, ces cartes GX pour moi c'est archi de sous-côté. La boîte elle est encore giga remplie, on va se prendre plusieurs trucs. En fait il y a plein d'enveloppes. Allez, j'ai pris plusieurs enveloppes. Donc alors, ici j'ai pris deux enveloppes, qu'est-ce qu'on va voir sur la première? J'aime trop le fait d'ouvrir les enveloppes comme ça. Je vais tourner parce que j'ai vu que c'était des cartes. Tac, très bien. Carte japonaise encore une fois. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Oh, carte AR, trop jolie, des nouvelles séries, hein, SV2. Donc ça, c'est voilà, c'est la toute nouvelle, c'est toutes nouvelles séries qui sont sorties au Japon. Et on l'a vu, les amis, le Léviator X. Oh,
C'est du propre, hein. C'est du propre. Ils font des trucs récents qui sont très jolis, hein. Vraiment, je trouve que Poké Company, ces derniers temps, ils ont mis un petit coup de... Ça, c'est de la boîte mystère qui mystère. Ça, c'est de la boîte mystère qui mystère. Je suis désolé, ça, c'est du banger. C'est... Je suis content quand je vois ça. Je me dis, purée, ça, c'est cool, ça. Ça, c'est cool. Magnifique. Allez, prochaine enveloppe. Je suis comme un gosse. J'ai l'impression que j'ouvre mes cadeaux de Noël. Vraiment, c'est petits cadeaux de Noël. Oh, ça. Ah, bah, booster japonais. Ok, deux petits boosters japonais. Time Gazer et Starburst. Ça, les gars, dans Starburst, on peut aller choper le Draco Flute alternatif. J'espère avoir quelque chose. Et c'est Jason, comme d'hab. Je le sens pas. Je sens qu'aujourd'hui, je vais rien avoir, comme d'habitude. La carte Gold, elle nous a trop prank. Allez, sur Space. Ouais, je me suis calmé. Je pensais que ça allait être autre chose, je vous avoue. Je me suis un peu pris la clim. Hein, on va pas se mentir, je me suis un petit peu pris la clim. Voilà, c'est la vérité. Calmos, amigo. La boîte, elle est vraiment trop remplie. Bon, je vais la prendre tout de suite parce que je la sens de ouf. Regardez, là, on a une Pokéball et encore une autre enveloppe. Allez, prochaine enveloppe. Et après, on se fait la Pokéball. L'une des meilleures Pokéball aussi qui était sortie. Genre, ils m'ont vraiment mis que des trucs de dingue, hein, sur la box. Oh, oui. Ça, c'est joli. Encore de la carte GX. Encore de la folie. Aïe, oui, monsieur. Franchement, c'est beau, hein. C'est des cartes qui sont pas très chères, en plus, hein. C'est des cartes qui sont pas très chères, mais qui sont très, très, très jolies. Regardez, là, déjà, juste le nombre de cartes qu'on a, le nombre de cartes ultra rares. Alors, on a eu des jolis boosters à ouvrir, mais au final, c'est vraiment les cartes qui font le taf. Pour moi, une boîte mystère sans cartes, c'est nul. Voilà, je vous dis la vérité, une boîte mystère où il n'y a pas de cartes, où il n'y a que des boosters à ouvrir, je sais pas, je trouve pas ça dingue. Voilà, je vous dis, je trouve parti, je vous régale aujourd'hui avec une grosse vidéo. Il y a du joli booster là-dedans. Il y a du joli booster dans cette Pokébox. 3 boosters pour entrer dans la légende, ténèbres embrasées, voltage éclatant, c'est super cher voltage. Allez, point de fusion, qu'est-ce qu'on veut à l'intérieur? On veut les alternatives, notamment le Celebi alternatif, on a aussi bah, tout ce qui est Mew, Mentali et tout, de la folie, franchement de la folie, ils ont fait le job. Allez, on fait pas de tri, on va y aller tout de suite parce que là on commence à avoir vraiment beaucoup de boosters à ouvrir. Corailon, Quillfish et attention les amis, le petit Lossorien holo, ok, pourquoi pas. Je stack mes holo. Voilà, je suis en train de faire un gros stack de toutes les holos parce que je prépare un concept de vidéo où je vais aller dans la rue et je vais donner plein de cartes aux enfants. Et en fait, je me suis dit, bah les holos, les enfants, ils aiment bien. Allez, ténèbres embrasées, on y va, on continue en espérant que ça va le faire. La série vaut très cher, mais il n'y a qu'une carte qu'on veut. C'est un peu pour moi le bémol. Et... Ah, la reverse. Et les amis, attention, est-ce qu'on va avoir quelque chose? Eh vas-y, vous avez pesé les boosters, les frères! Mais oui, mes propres employés, mes propres frères, mon propre sang, les gars! Je vous jure, ils ont pesé les boosters, j'y crois pas! C'est pas possible, frère! C'est pas possible, c'est n'importe quoi ce qui se passe, là! Allez, voltage éclatant, enfin, en plus, je peux même pas peser, c'était la box. Vas-y, allez, voltage éclatant. On a ouvert un milliard de boosters pour une carte gold! C'est quoi, ça? C'est quoi, ça? C'est quoi ça? C'est quoi ces trucs là? Calmons là, c'est quoi ça tout ça? C'est toi ça vient? S'il vous plaît, le petit Pikachu, je veux une ultra! Même une V, je suis content, c'est bon? Allez, Poké Company, même une V, je suis content! Même une petite V, je suis content, les frères! Allez, s'il vous plaît! Non, c'est bon, frère, la vie c'est bon, frère! La vie c'est bon, frère, j'étais gentil au début de la vidéo là! Putain, Jason, tu mérites que ça, frère! Je suis là, moi je veux danser, je veux être là, je veux faire. Toi, t'es là, tu fais que de la merde. Pas bon, chef, c'est pas bon ce que tu me fais. Jason, assis-toi, faut que je te parle. Et moi aussi, je répète que frère. Tiens, voilà, voilà, tu mérites que ça de toute façon. Ouais. C'est trop fun. Par contre, c'est vraiment trop fun à ouvrir. Le jour où il y a des mecs qui osent faire ce genre de concept, je serai le premier à regarder. Ah, c'est un petit peu lourd. Carte gradée! Oh là 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 là, qu'est-ce qu'on va avoir? Carte gradée dans cette mystery box! Ouh loulou. Oh là 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 là! Ça, c'est de la carte gradée qui grade! Ouh loulou. Bon, on va pas se mentir, si c'est un PSA 10, c'est une boîte, elle vaut pas 500 balles. Hein. C'est une boîte là, je sais pas combien. Voilà, c'est la mystery box qui fait plaisir, on va pas se mentir. Allez, s'il vous plaît, une bonne note, au moins 9. J'en ai marre de ce métier en fait. Pourquoi je fais ce métier en fait? C'est vous faire des vidéos où je suis tout le temps déçu, c'est ça, vous aimez bien. Bon,
C'est joli, bien sûr c'est très joli, c'est une carte exceptionnelle. Rayquaza V Alternate en gradé PSA 8. Donc je comprends pas le PSA 8 par contre. Il doit y avoir un enfoncement, un truc comme ça. Donc bon, malheureusement ça c'est une carte, elle doit partir au prix du lose. Je sais pas ça vaut combien. Je pense que c'est une 200aine d'euros quand même avec Rayquaza aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires, vous pensez que ça vaut combien ce petit Rayquaza en 8. Ouh, là on rentre dans les choses qui rentrent. J'aime bien Ultra Prism. On a eu beaucoup de réassorts de Ultra Prism, notamment avec mes magazines qui étaient sortis, Manga Kid et tout, retour de presse. Donc Ultra Prism, c'est du lourd, hein. C'est voire même du très très lourd. Ok, c'est parti. Allez, on veut avoir un petit banger, s'il te plaît, sur Ultra Prism. Terminal de commande, Dinoclier, j'adore les illustrations. Farfuret, Vortante, Laporeille, Quatermac. Quatermac était beaucoup présent sur le bloc SL, qu'on voit quasi plus. Ouh, la Rome-feu. J'aime trop. C'est le Valier, c'est ça? Je sais plus, à chaque fois je me trompe. Et c'est Jason avec E-Tron. Après, ça m'a fait plaisir. C'est des illustrations qu'on n'a pas l'habitude de voir. On peut pas se plaindre, on va pas se mytho. Bon les gars, je sens qu'il y a un petit coffret. Bah oui. Eh ouais les gars. Coffret Roi Gada. J'étais sûr qu'ils allaient le mettre. De toute façon, quand j'ai vu qu'il y avait du violet, j'étais sûr qu'il y était. Ça, c'est un truc de ouf. Coffret Roi Gada, les gars. C'est un coffret de dingue. Sûrement l'un des meilleurs coffrets. Je vous avais dit à Auchan, j'en avais acheté plein. Pour vous en ouvrir hein, de temps en temps. Dedans, en fait, t'as deux évolutions célestes. Donc, comme je vous dis, c'est la meilleure série. Hein, là, il n'y a que du évolution céleste parce que dans cette vidéo. Star Instant qui est aussi très très bon. Et Point de Fusion qui est pour moi d'ailleurs aussi une bonne série. Et on y va. On est vraiment à beaucoup de boosters ouverts sur cette vidéo. Et pour l'instant, rien. Même pas un gros hit. Même pas une VMAX. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte. Même pas une VMAX aujourd'hui. Pour le nombre de trucs qu'on a ouvert et surtout l'achat qu'on a fait, c'est assez chaud vu le prix qu'on a payé la boîte. Bon, c'est Latias, c'est mon Pokémon préféré, mais c'est Jason aussi. Je perds vraiment espoir. Derrière l'écran, s'il vous plaît, j'ai besoin d'un Genkidama. Les enfants qui regardent cette vidéo, la famille, tout ça, je veux que vous m'envoyez plein de vibes positives, plein d'amour, parce que là, j'ai besoin de sentir ton énergie. J'ai besoin que tu prends ma main avec toi, là, et on y va ensemble, là, on veut envoyer du lourd, là, parce que là, ça va pas le faire. Là, c'est vraiment trop nul, là, ce qui est en train de se passer. Allez, Star Instant, s'il vous plaît. On va pas tourner pour pas avoir le spoil du code, et on y va directement avec Tic. Deden, s'il vous plaît, on fait pas de tri, on y va direct. On porte le chakra, on porte la puissance. Mais pourquoi? Je pensais que la malédiction elle était rompue, frère. Je pensais que je pouvais enfin vivre. Je pensais que j'allais pouvoir enfin un petit peu profiter de la vie. Non, Poké Company toujours à mettre des claques, des gifles. Tout le temps, je dois être au combat, tout le temps. Et là, si je drop une alternative, vous allez dire, oh là là, Kiliki, qu'est-ce que c'est que ce truc? Nouveau code, donc ça, c'est les reprints d'évolution céleste. C'est souvent pas bon signe, hein. C'est souvent pas bon signe quand c'est les reprints d'évolution céleste. J'ai pas vos mythos. Mais après, peut-être qu'on va avoir tort, les amis. Evoli, Bombidou, Pikachu, Verpomme, Poncho. Allez, s'il vous plaît, on n'a rien eu depuis le début de la vidéo, s'il vous plaît. Pas une vieille carte V, on veut quelque chose, allez! Ça colle? Ah, carte V! Carte V, les amis, et ce sera le Loup-Garrock. Ok, sympa. Deuxième booster évolution céleste. On est parti, c'est toujours code noir sur cette réimpression. Ça a été très bizarre, hein. très bizarrement fait, hein, ce reprint des veaux célestes. Et on espère avoir quelque chose. Becca Glaçon, Goupilou, Grelasson, Carvana, Emolga, Parkour, qui... Ouais, mais attention les amis derrière! Sulfura de Gala, on holo, ça partira pour les enfants. Bon. Heureusement qu'on avait les cartes, parce que l'ouverture est catastrophique! Il nous reste encore plein de trucs dans la boîte. Qu'est-ce que ça va être pour le prochain truc? Ok, j'ai chopé deux boîtes, deux petites enveloppes mystères. Oh, encore des cartes! Génial! Carte Tag Team. Je pense que là on va être sur l'une des vidéos les plus longues de ma chaîne. Hein. Il y a moyen que c'est l'une des vidéos les plus longues de ma chaîne. Mais c'est pas grave, hein, on est là pour kiffer. Carte Tag Team, encore une fois, carte sous-côté japonaise. Il y en a plusieurs. Non, c'est les sleeves, elles sont rigides, elles sont vraiment bien. Vraiment bien celles-ci. Le boulot qu'ils ont fait sur ces Tag Team, intéressez-vous au bloc Soleil et Lune qui est un bloc vraiment très intéressant. Ah ok, non, ok. Juste un lot de la même carte. Bah écoutez, pour faire des échanges, ça ce sera très bien pour tout ce qui est donation, échange en brocante et tout. C'est la meilleure Mystery Box. C'est la meilleure Mystery Box, forcément. Hop, on continue. Encore deux enveloppes. Et c'est les dernières. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? C'est lourd. C'est lourd, ça veut dire que c'est encore une carte gradée. Ça veut dire que c'est encore une carte gradée.
Encore une carte gradée. Oh là 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 là, c'est la meilleure Mystery Box de l'histoire. Oui les amis, Dracaufeu VMAX avec son gros bidou. C'est ça qu'on veut les amis sur Ténèbres Embrasées, la meilleure série, enfin la meilleure carte de la série, elle est là. Si on a un PSA 10, ça fait exploser cette Mystery Box. Boum! Oui monsieur. Eh ouais les gars, c'est Pocahontas. Non mais là c'est de la dinguerie. Et c'est un booster, qu'est-ce que ça va être? Lumière interdite. Ok, ok. Bon, seul bémol, je pense qu'on aurait peut-être préféré un peu plus de booster, un peu plus, tu vois, un peu plus coriace. Mais on reste sur un banger. On reste quand même sur un très très gros banger, on va pas se mentir. Allez, c'est parti. Araquoi, Fennec, Galvaran, Flabébé, Oppermine. Flabébé, attention derrière, ce sera Exagide. On n'a rien, l'ouverture était catastrophique. L'ouverture était catastrophique. Un coffret Wagileki, Zélite Suprême, série de dingue qui a clôturé le bloc épée et bouclier. J'ai quasi le Master Sect, donc voilà, on va s'ouvrir, on va quand même se l'ouvrir parce que... Bah, je suis déçu, j'ai ouvert tellement là sur cette vidéo. C'est un peu dur de ne pas avoir le moindre hit sur le nombre de boosters que j'ai ouvert. C'est un peu dur à encaisser, mais c'est le jeu. N'oubliez pas, si vous avez envie de me faire plaisir la famille, vous pouvez rejoindre le lien Whatnot, passer sur ma boutique ou encore avoir même 40% de réduction sur toute la boutique de MyProtein avec le code Kibiki. Voilà, j'en fais rarement la pub sur Pokémon. Mais si vous avez envie les gars de vous prendre un petit peu de trucs pour le sport, vous avez mon lien. Allez c'est parti, Venalgue, Moumouton, on veut quelque chose, Galvaran, Pandespiègle. Oh, Energy Reverse, sympa, très sympa. Et derrière, ok. Oh, c'est la journée des énergies, voilà, c'est... Bah, les bonnes énergies, voilà, les bonnes énergies. J'ai envie de vous dire, c'est ça la vie aussi, c'est de transmettre et de retransmettre des bonnes énergies. Voilà, que des énergies, c'est... Oh, let's go, première TG, avec le écrémeux. Eh oui, carte Vestar. Boum, Zeraora Vestar, ça c'est mon Zénith Suprême. Ça c'est ma série, ça c'est de la série qui fait plaisir. Oui. Pijako, Mr. Mime, oh là là les amis, j'ai l'impression que ce dernier coffret est exceptionnel. Attention. Carte VMAX. Oh, le Rayquaza qui tombe, let's go. Foulouloulou. Dernier booster, comme on l'appelle, Last Pack Magic. Quelle série de dingue, quelle vidéo de dingue. J'espère que vous avez kiffé passer ce long moment avec moi, cette longue ouverture avec moi, sûrement la plus grande de ma chaîne YouTube. Et attention les gars, pour le dernier booster, c'est Jason. Ah non, c'est Jason. Bon, je me suis ruiné, mais c'était super fun. Et si t'as envie de voir plus de 10 000 euros de cartes Pokémon en brocante, t'as juste à cliquer juste ici.